Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans le 9e épisode de ma série sur Inscription CaseysMod. Aujourd'hui, on peut choisir son deck librement parce qu'on les a tous déverrouillés. Donc, je pense me donner un peu de challenge, essayer de faire correctement le deck avec le petit du loup géant. Voilà. On a ce nouveau défi qu'on avait débloqué, donc on va l'activer. Celui-là, on l'a pas trop rencontré encore. On sera bon comme ça, je pense que c'est assez dur. Ok. Et du coup, première chose à faire, voir la peinture. Donc, le compte carte et la tortue debout. Donc on va essayer de retirer ça. Et on va aller choisir ces cartes. Ok, aucune des deux. Ce qui peut nous intéresser, c'est une chèvre noire. Le cerf et l'œuf, on l'avait débloqué aussi. Donc on a bien envie de montrer son interaction. Je sens que cet épisode va plus être du show de cartes qui existent déjà. Ce que je peux proposer, c'est mettre la chèvre noire sur le raton laveur. Mais je pense qu'on peut avoir une utilité différente. Ou alors raton laveur sur coyote. On va aller sur les flammes. Voir ce qu'on peut faire. Je sais plus quelle carte on avait. Bref, on va booster ça. Je veux dire tuer, bien sûr. Mais c'est un Cerelaf, on ne pouvait pas le booster, c'est pour ça. Cerelaf, cette carte absolument terrible. Bon, au moins on a des os pour invoquer le coyote. Ça fait 2 dégâts. Pour le serrer là, 4 dégâts au total. Et voilà, il retombe à 0. C'est vraiment nul. Oh non. Je vais oublier ça. Bon, au moins ça évolue en un loup géant. Et c'est une carte qu'on aimerait garder. Le loup géant. On va rapidement skip ce combat. Ok. Bah, je vais aller encore aux flammes. Si je peux avoir une carte pour des dégâts. Ouais, voilà, un petit du loup géant. Les flammes. Et... quelle carte aurait besoin d'un bonus en santé? Très curieux comme question. Au revoir. Ça me redonne encore des os, c'est cool. Et l'event du mineur, on le rencontre très régulièrement dans mes runs, c'est... truc de dingos. Encore la main de départ qui fait pas plaisir là. Ça commence à m'agacer. Ça m'agacerait presque. Ouais, donc début de run plutôt compliqué, on va dire. Mais c'est vrai qu'Inscription n'est pas un jeu facile. Hein. T'abandonnes un peu trop tard, mon coco. Moi, je veux cette dent supplémentaire. Ça peut toujours me servir. Ça, il nous la faut. Compte carte et il nous faut tortue debout. Ouais, j'étais plus sûr, mais ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dû prendre les os.
pour encore jouer mon coyote qui va me redonner en début de... Yeah, yeah. C'est vrai que ça vole. La taupe à la taupe et se faire buter par la taupe. Voilà, zéro dégâts, super. Ce move était extrêmement utile. Je sens que je vais avoir besoin de bons items pour réussir cette run. Et de bonnes cartes, en fait, surtout. Un grizzly, je pourrais le jouer, grâce à la chèvre noire que j'ai pris soin de récupérer plus tôt dans l'aventure. La carte aurait besoin de plus de puissance. Si le défi c'était de finir avec nos cartes de départ, peut-être que je m'embêterais à pas jouer les flammes n'importe comment. Bah ça, c'est pas mal. J'aurais dû prendre la tête d'insecte, honnêtement. Mais bon. Vaut mieux que je prenne une tête de créature que j'ai déjà, pas que de créature que je compte avoir. Ça va être un des combats les plus durs, je sens. C'est terminé. Il bouge. Pourquoi est-ce qu'il bouge? Ok. Let's go! Oh super! Oh c'est super! C'est de plus en plus super! Ouais. Vas-y, prends-toi 10 dégâts en pleine face, là. Il m'arrange. Oh, j'ai failli avoir peur. Non, je déconne. Le combat pouvait pas mal se passer. Garen. Oupi. Youpi. Garen. Loup géant. Déjà évolué. Allez, si c'est de la vie, on sait qu'est-ce qu'on va envoyer. Coucou, Serelaf. Quoique.
Non, non, il est vraiment pire que le coyote. Hein. Le coyote, il a... un fonctionnement plutôt clair et précis. Donc là, on va utiliser les os pour l'invoquer, et ensuite, on va aller le sacrifier là-bas. Comme ça, on n'aura plus du tout notre deck de départ, ce qui va faire la même chose que la dernière vidéo. Aïe, 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 c'est terrible de pas savoir se renouveler. Hein. Ouais, c'est vraiment terrible. Ok, bah ça fait assez de dégâts du coup. Il y a peut-être une carte qui va m'intéresser ici. Le J-Paète, c'est pas si mal. Je peux sacrifier la chèvre noire et avoir plein d'os ensuite. Mais la chèvre noire permet d'invoquer des grosses cartes. Si je peux avoir le loup géant sur le grizzly, en revanche, ça m'arrangeait très grandement. Plus que n'importe quoi d'autre. Ou alors sur cette carte là. Ça le fait aussi, non? Peut-être que le plus intelligent ce serait de mettre Karen sur le compte carte pour augmenter automatiquement ses... J'ai peut-être besoin d'un vrai temps de réflexion là. Ou alors on fait ce que j'avais dit au départ. Et on s'en contente. Non. Améliorer ses cartes à 1 est une bonne idée. Je vois. Tu le loues alpha. C'est mort. C'est archi mort. Tant pis. Ça aurait dû être les lapins. J'ai trop confiance en mes lapins. J'oublie que c'est pas une carte géniale. Et j'ai plus mes items pour me sauver. Antilope. Ça peut être transféré. Item, c'est plus important que les copies. Surtout étant donné nos mauvaises possibilités de copies, quoi. Ouais, un grizzly. Okay.
Pas mal. Ok, on s'en sort. Mais ça a consommé tous mes items, ce qui montre que mon deck est pas prêt. Pour quoi que ce soit. Comment c'est que les lapins est vraiment trop risqué? Chrysly, ça c'est bien. On va pouvoir les fusionner en haut. Et là, des points de vie. Des points de vie qu'on peut donner à... ce coyote. Adios deck de départ. Ça devrait déjà un peu plus m'aider, je pense. JP a été incompatible avec un deck os. Super ce grizzly, je vais le garder. C'est parti, combat de boss. Cette fois, on va réfléchir un peu plus. Du coup, on va réussir à lui mettre... notre main de départ qui change. On va réussir à lui mettre des dégâts. Et à libérer un emplacement. On pourra lui mettre encore plus de dégâts ensuite. De dégâts, lui on va mettre 3. Y'a pas moyen qu'on s'en sorte. L'aventure va s'arrêter ici. Ok. Bon, on va recommencer.